Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, je vous dis d'avance, je ne suis pas maquillée, c'est normal, vous allez vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui on revient dans une vidéo projet. Ah oui, aussi, deuxième petit aparté, je ne suis pas dans mon lieu de tournage habituel pour la simple et bonne raison que vu qu'on est en train de déménager, le dressing est un amas de carton, donc inaccessible. Voilà, donc c'est tout, on tourne dans la chambre, il y a peut-être un peu plus d'écho et je peux pas mettre mes spots lumière, mais bon c'est pas grave, on fera avec en attendant. Voilà. Donc on revient dans une vidéo projet. Oui, voilà, ça y est, je fais partie des vendeuses Unique. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Unique, c'est une marque de maquillage qui ne teste pas sur les animaux, qui ne met pas de produits chimiques dedans, enfin tout plein de trucs trop bien. Et c'est de la vente, donc du coup, comme on appelle ça, la vente de réseau. Donc vente à domicile, vous voyez un peu les tupperwares, ce genre de choses. Voilà, sauf que nous, on fait pas que du domicile, on fait aussi via les réseaux sociaux, d'où pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Mon lien donc de boutique sera dans la barre d'infos. Et mon lien de page de mon groupe Facebook, voilà, pareil, exprès pour Unique, sera dans la barre d'infos si vous voulez venir me rejoindre. N'hésitez pas, pareil, sur Instagram, je mettrai des petits posts pour Unique. Je ne mettrai pas que ça, mais j'en mettrai. Et sur cette chaîne, c'est pareil, de temps en temps, je posterai des trucs pour Unique. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu le kit de démarrage, voilà. Donc, je ne l'ai pas ouvert, je viens à l'instant de le recevoir, j'étais comme une gamine qui recevait un cadeau de Noël. J'étais trop contente, ça doit se voir sur mon visage. Et donc du coup forcément je ne suis pas maquillée parce que je ne sais pas si l'envie va me prendre d'essayer tout de suite les choses. Donc voilà, donc je vais ouvrir la boîte. Oh, elle est trop jolie, trop belle, vraiment. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait des inscriptions ici. Welcome. Ok. Ah d'accord. Donc dans la boîte, il y a un sac à main violet marqué Unique. Alors Unique, leur couleur c'est le violet hein, comme vous avez pu remarquer. Mais du coup j'aime bien la boîte parce que je peux mettre tous mes produits Unique à l'intérieur pour éviter de mélanger avec le reste de mon maquillage. Au moins je ne cherche pas partout. Je pourrais mettre ça là-dedans, ça fait bien. Voilà. Donc le sac à main Unique. Tadam. Trop joli, trop beau. Après faut pas le mettre qu'une tenue colorée hein. Hop. Oh là là, il y a plein de choses là dedans il y a plein de choses. Il y a quoi? Ah, il y a le mascara 3D. Celui-là je l'attends avec impatience parce que apparemment il fait des cils de malade mental, les gars. Je suis pressée de le tester. Oh là là, il y a plein de choses là-dedans. C'est quoi ça là-dedans? Regardez, même le petit papier de soie, il est violet. C'est quoi? Ah, c'est pour cacher le papier bulle qui est pas très joli. Oh non, c'est trop mignon. Ils soignent trop leur truc, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, ça a l'air d'être une palette. Oh là là. Ah, c'est une palette, vous savez qu'on remplit avec ses propres fards, enfin, en fait on fait ses propres palettes. Je sais plus c'est qui quelle marque qui fait ça, que j'avais toujours voulu tester. Mais c'est sympa, ouais, j'aime bien. Max masque exfoliant. Alors on va l'ouvrir. De toute façon, je vais finir par tout tester. Attendez, il y a des petits documents de presse déjà. Je vais regarder les documents de presse. Donc dans les dossiers de presse, bon, j'ai des trucs qui ne vont pas vous intéresser. Par contre, je voulais vous parler de ça. Notre mission, nous redonnons l'espoir aux femmes qui ont été victimes d'abus sexuels durant leur enfance ou leur adolescence. Nous les mettons sur la voie de la guérison grâce à des séminaires et des communautés de survivantes et des ressources en ligne. Nous aidons les parents et les personnes qui prennent soin des enfants à les protéger d'abus sexuels à l'aide de formations et de ressources en ligne. Nous créons une atmosphère sécurisée pour discuter ouvertement de l'abus sexuel par le dialogue
communautaire et la sensibilisation sociale. Ça, c'est ce qui est bien aussi avec Unique, c'est qu'en fait, ils soutiennent des causes et c'est ce qui m'avait beaucoup plu. Moi, ce qui m'a plu chez Unique, parce que ça fait plusieurs mois que je vais me lancer dans la vente à domicile et j'avais pas trouvé ma marque, ce qui me plaît sur avec Unique, déjà c'est du maquillage, j'aime beaucoup le maquillage. De deux, c'est cruelty free, donc pas testé sur les animaux. Il y a le moins de produits chimiques possible et c'est des produits assez haut de gamme. Et du coup, ils soutiennent voilà, des causes comme ça. Je trouve ça super. Enfin, vraiment, je trouve ça super. Donc, après avoir ouvert... Donc, j'ai juste ouvert les dossiers de presse. Mais avec les dossiers de presse, en fait, il y avait des échantillons. Donc là, j'ai le masque exfoliant. J'ai les échantillons, donc, des super... comment ? Ah bah mince, j'y arrive plus. Fond de teint, voilà. Fond de teint est la base pour le visage. Donc de chez Unique, qui d'après ce que j'en ai entendu parler, est superbe. J'ai le masque, enfin un échantillon de masque détoxifiant. Voilà. J'ai le masque, enfin toujours pareil, de sébo régulateur, l'échantillon. Et j'ai les échantillons des autres toilettes Unique parce que Unique vient de faire ses autres toilettes. Donc ça, je suis super contente. Voilà. En sachant que du coup, voilà, je suis en plein déménagement. J'ai un peu déjà rangé les trois quarts de mes produits. Donc je vous avoue que ça tombe à pic. Et du coup, j'ai très envie, je sais pas vous, mais moi j'en ai très envie, c'est de tester tout de suite ce fameux mascara 3D. La boîte, elle est mate. Ça fait un peu effet velours, j'adore. J'adore. Bon. On ne juge pas un produit sur son packaging, mais moi j'adore. J'essaye de pas le péter. Non ! C'est pas la classe ça les filles. C'est pas la classe. C'est trop la classe, moi je dis. Là, il vous explique un peu comment faire, c'est ça ? Moi, je surkiffe déjà la petite pochette avec le bouton violet, forcément. Oh là là, ils sont magnifiques. Enfin, je sais pas, moi, pour une passionnée de make-up pour moi, comme moi, oh, ils sont sublimes. Enfin, franchement, magnifiques. Magnifiques. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est des bijoux, en fait. Clairement, c'est des bijoux. Fibre, gel transparent. Donc, ils ont dit, on commence par le gel transparent. Ah, attendez. J'ai pas pris mes petites oreilles de chat. On va tester. Je vous avoue, je ne me suis jamais maquillée en direct avec vous. Pas, enfin que sur des directs Instagram. D'habitude, je mets toujours du recourbe aux cils parce que mes cils ne tiennent jamais debout. Je vais vous montrer. Vous voyez la différence ou pas? Le truc de ouf! Oh, je suis choquée. Regardez-moi la différence. Ah, je suis choquée de ouf en fait. Ah, je suis grave choquée. Oh là là! J'ai jamais vu ça moi. Vous voyez, j'entendais tout le monde en parler et tout. Je me suis dit, bon, oui, c'est un mascara, quoi. Et moi, je suis obligée de recouvrir mes cils, normalement. Waouh, c'est hallucinant. Bon, bah écoutez. C'est hallucinant. Donc, en sachant que je peux encore amplifier le truc, hein, je peux mettre plusieurs couches et amplifier le truc. Là, c'est juste pour faire un petit test, mais alors déjà, le test est carrément, vous voyez,
On dirait que là je suis super bien réveillée. Voilà, et rien que ça, c'est oufissime. Je suis trop surprise. Ah oui, je voulais juste préciser un truc, c'est vraiment pas un partenariat. Hein. Mon kit, je l'ai payé, tout ça et tout. Hein. Je préfère préciser parce que bon. Ça, c'est le mascara 3D de chez Unique que vous pourrez retrouver sur ma boutique. Qui est topissime. Du coup, là, on a la petite palette. Du coup, je vais juste ouvrir le masque, juste histoire de dire j'ouvre le masque. Hein. Parce que je veux pas l'essayer, je vous. Vous comprenez bien. Mais c'est des bijoux. Mais c'est magnifique. Oh, j'ai envie de mourir. Oh là 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 là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'adore. Putain, c'est trop. Excusez-moi, pas de vulgarité. Mais c'est tellement joli que. Oh là là, mais c'est magnifique. Oh là là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Bon, bah je vais le tester. Je ne sais pas quand encore, mais je vais le tester là, soit aujourd'hui, soit demain, mais je vais le tester. Franchement, il est magnifique. C'est les ombres à paupières, oui. Pour aller donc, il est mon couteau. Pour aller donc dans la petite palette. Donc voilà, la petite palette. Et donc vous risquez pas que ça tombe parce que c'est aimanté en fait. Vous voyez, même la palette, elle est aimantée. Donc, voilà les couleurs. Elles sont magnifiques. Maintenant, passe au swatch. Bah forcément, la première couleur, c'est compliqué à swatcher en fait. C'est juste un truc. Oh là là, c'est magnifique. Voilà les couleurs. Bon, du coup, celle-là, c'est juste un rose pile la couleur de ma peau. Juste pailleté. Je sais pas si vous voyez, du coup. C'est super joli. J'adore, 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 j'adore. Donc, bon, je vous ferai un maquillage. Si vous voulez que je vous fasse un maquillage avec ces ombres à paupières, vous me le direz. Et je vous en ferai un avec grand plaisir. Ensuite, qu'avons-nous? Beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons un petit crayon Unique. Un crayon. Oh, n'importe quoi. Un pinceau Unique, maman. Un beau pinceau Unique. Voilà. Est-ce qu'ils ont des numéros à tout hasard? Non, il n'y a pas de numéro, mais bon. C'est celui avec l'embout-mousse d'un côté et le petit biseauté de l'autre. Voilà. Donc ça, vous connaissez mon amour inconditionnel pour les pinceaux. Ça, c'est un petit badge comme quoi je fais partie de chez Unique maintenant. Mais en fait, il faut que je fasse attention à chaque poche. Parce qu'ils mettent des trucs dans toutes les petites poches qui existent. Poche. L'autre poche à l'avant, ça c'est quoi? Attends, si un truc. Ah, ça c'est la bandoulière. Ça c'est pratique. Ça j'aime bien les bandoulières. Moi j'aime bien les bandoulières. Bon, on va la remettre à sa place en attendant. Donc là, là-dedans il n'y a plus rien, on est d'accord. Hein. Il y a plus de petits trucs qui se cachent. Non. Non. Du coup, il reste tout ça comme produit. On va voir ce que c'est. Voilà, donc là il n'y aura plus rien dans le petit set. Il reste tous les produits là. On va commencer avec celui-là, c'est quoi? Ombre à paupières crème. Ah, ça j'aime bien. Ça je suis contente. J'en ai pas beaucoup des. J'ai qu'une palette d'ombre à paupières crème. Oh là là, mais regardez-moi ces packaging. Oh, j'en suis dingue. Dingue. Oh la couleur. J'ai envie de mourir. C'est magnifique. Oh là 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 là. Et c'est quoi? C'est le Tenacious. Hop.
Du coup. Du coup, il est magnifique. Ah là là! La pigmentation, on en parle, les gars. Bon, c'est un. Vous pouvez pas comparer à ceux en poudre. Hein. Texture crème, généralement, la pigmentation est quand même bien meilleure. Tout ça parce que bah, c'est une pigmentation crème. Hein. Donc voilà. Je la remets dans sa petite boîte. Alors, oui, là, je remets bien dans sa petite boîte, mais vous allez voir, dans quelques temps, ce sera plus dans leur petite boîte. Hein. C'est juste que là, vu qu'on a un déménagement, tout ça. Je l'aurais répété 15 fois ce truc. Mais c'est vrai, vu qu'on est en déménagement, je préfère les mettre dans les petites boîtes que de les perdre, de les casser, les je sais pas quoi. Sérum pour les cils. Oh non, il y en a un. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Tout à l'heure, j'ai lu qu'il y avait des sérums pour les cils. Augmentez le volume de vos cils. Ce sérum quotidien pour les cils augmente le volume de vos cils jusqu'à 39% et fournit l'apparence de cils jusqu'à 29% plus long. Après 4 semaines, à raison de 2 applications par jour. Ça me plaît. Ça me plaît d'autant plus que ben, vous savez, hein, je vais me marier. Donc si je peux avoir des cils de malade pour mon mariage, je vais pas dire non. Bon, packaging toujours super classe. Avec le petit bouchon violet. Du coup, ça, vous vous doutez bien, je vais pas le tester tout de suite. Enfin, c'est un truc qui... test sur long terme, mais du coup vous pourrez le retrouver donc du coup sur mon groupe Facebook ou sur mon Instagram, il n'y a pas de souci, je vous en reparlerai, je vais le tester dès ce soir, je vous en reparlerai volontiers. Après j'ai vu qu'il y avait le mascara épique, mais ça tombe bien vu que du coup j'ai pas fait mon deuxième œil. Et bien voilà, en fait il y a, c'est donc le deuxième mascara de chez Unique. Tac. Qui est super classe aussi. Moi je surkiffe les packaging. Enfin voilà quoi. On va tester tout de suite. Je sais pas ce que vous en dites. Mais... Alors oui, juste un truc, si vous voyez des paillettes, c'est pas les mascaras uniques qui font ça, c'est juste que j'ai fait mon ancien maquillage et j'arrive pas à me débarrasser des paillettes. Voilà. Franchement, il n'y a aucun mascara qui a réussi à faire ça sur ces cils-là sans courbe-cils. Franchement, classe! Non, franchement, j'adore. Bon, forcément, c'est la même chose. Hein. J'adore. J'adore! Vous n'avez plus de batterie, les gars. Vous savez quoi? Je vais aller déjeuner. Parce que j'ai pas encore déjeuné. Je suis en pyjama en vrai, en dessous. Et puis, bah, je vous retrouve juste après. Bon, me revoilà après un petit déjeuner et je voulais regarder un truc. Et ben mes cils... Oh, j'ai un chat dans la chambre. Qui rit ! Et mes cils ne sont pas redescendus. Et j'ai rien fait, hein. Je vous jure. Je vous jure, j'ai rien fait. Je suis trop contente. Eh, c'est un truc de malade, c'est pas grave. Donc là, on a le 3D et là, on a le Epic. Un eyeliner, d'après ce que j'ai compris. Le Moodstruck Precision. Precision Pencil. Petit eyeliner. Alors. Eyeliner, crayon, contour des yeux. Ouais, en fait, c'est un crayon. Ça y est, il veut plus faire le focus lui. Voilà. Ok. C'est un crayon comme je les aime. Ouais, c'est un crayon comme ça. J'adore les crayons comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc on va tester. Donc en sachant que je suis très très nulle en traçage de liner,
J'aime beaucoup. Maya, va à ta place. Donc voilà ce que ça donne. J'aime trop. Il est magnifique. Il est vraiment bien. Il est pas sec, il est pas trop humide non plus, parce que j'aime pas trop quand c'est humide. Parce que ça veut dire que dès qu'on ouvre l'œil, ça fait effet tampon. Non, il est vraiment très très bien. Alors, juste. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ok. Non, vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite. Alors là. Rouge à lèvres liquide. Et là, c'est quoi? Un gloss, c'est ça? Lip gloss. Ok. Là, vous me connaissez, je suis comme une dingue. J'adore les rouges à lèvres. Oh là là, en plus c'est un rouge. Et en plus, le packaging, il est magnifique. Oh là là, regardez-moi ça. Je peux pas m'empêcher de le tester tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et j'ai jamais testé un rouge à lèvres comme ça. En fait, c'est un effet velours sur les lèvres. J'adore. On a l'impression de rien avoir. Et en même temps, c'est tout doux. Je surkiffe. C'est trop trop beau. Et donc le lip gloss. Alors ça, les gloss, c'est quelque chose que je mets un peu moins. Pour ceux qui me connaissent. Ne dites pas que le dernier packaging, je vais être obligée de le déchirer. Non, c'est bon, ça y est. Ah, je m'en suis foutue sur le doigt. Pas celui-là, hein, celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc, ah, je vous ai pas dit la teinte de celui-là. Où est-ce qu'il y a la teinte? C'est le... Stubborn. Et là c'est le Lovesick. Regardez, c'est un rouge pailleté. Et donc du coup, ah, j'adore. Regardez, il y a un petit miroir là. J'adore. Bon, faut enlever le film hein, pour qu'il fasse réellement miroir. Bon, j'enlèverai plus tard, mais j'adore les trucs comme ça. J'ai pas vu sur l'autre, non, il y avait pas. Hop. Et donc, où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre là. Il est sympa, hein? Regardez-moi ça. Il est là. Il est super sympa. J'aime beaucoup. Il n'a pas cet effet collant. Vous savez qu'on les glosse. Ah, ça c'est cool, ça je suis contente. Pareil, packaging toujours au top. Je suis super contente. Donc voilà, j'ai fini avec cette ouverture donc de mon kit de démarrage de chez Yonic. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air et à laisser un commentaire. Et si jamais les produits vous intéressent, je vous invite fortement à venir sur mon groupe Facebook ou alors à venir directement acheter avec le lien de ma boutique en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!